Tout. Bonjour, Jumbo. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jocelyne pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent, bienvenue dans la team. Aujourd'hui, je vais parler de ce que j'ai lu, de mes livres. Je vais vous présenter un peu quatre livres que j'ai ici. Je vais vous présenter de mes quatre livres que je lis en ce moment, qui me font rire et qui me cultivent. Dans la vidéo précédente, c'est pas précédente ou l'autre vidéo que j'avais présentée. La vidéo où j'avais parlé de mes loisirs, je vous avais parlé que j'avais commandé un livre de Laurent Cassindi et j'ai reçu mon livre. J'ai reçu mon J'espère que vous avez vu le titre. Ces livres, je les ai reçus le lundi. Ben oui, je les ai reçus le lundi, il y a quelques jours. Il nous parle des vérités adolescentes, les choses qu'on s'est dit. Il parle un peu de la mentalité, de la culture, de la politique. Il le parle, mais vraiment bien, et positiver la situation. Mais moi, je trouve que c'est trop rigolo et c'est très intéressant. Si tu es Congolais, bah, tu veux lire un livre et découvrir des choses dans ton pays. Voilà, tu peux lire. Si tu es aussi quelqu'un qui n'est pas Congolais, mais ça t'intéresse. Pardon, de connaître certaines choses du pays, du Congo. Franchement, ces livres, je te les conseille. Pour avoir les informations, et si tu veux commander les livres, tu peux aller sur les sites, pas sur les sites, mais sur la page Facebook, Ces vérités qui nous mentent. Il y a tout ce qu'il faut dessus. Il y a même un numéro, parce que moi, je l'ai commandé en Belgique. Je l'ai commandé en Belgique. J'ai trouvé les numéros sur la page. J'ai contacté la dame qui est en Belgique. Et c'est elle qui m'a envoyé mon livre et je suis très contente. J'ai déjà fait été. Je ne l'ai pas lu en entier, mais j'ai déjà fait été et je vais continuer à les lire parce qu'il y a des choses qui me font rire. Parfois des choses qui pourront me faire pleurer si on les parlait d'une autre manière. Mais franchement, la manière dont Laurent en a parlé, je le rime, les nez bouchés, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, c'est l'hiver, hein. Et voilà. Et il en a vraiment parlé avec beaucoup d'humour. Franchement, bravo Laurent. Bravo, bravo, tu mérites le soutien, le soutien total. Je vous conseille de soutenir Laurent. Et alors, je passe à un autre livre que j'aime bien, que je lis aussi en ce moment. C'est Wax et Co. Anthologie. Anthologie des tissus imprimés d'Afrique. C'est ça. Et quand tu ouvres maintenant les livres, c'est les décors. Il y a tous les tissus. Il y a presque tous les tissus wax qu'on a l'habitude de porter en Afrique. Les tissus, c'est vraiment coloré. C'est vraiment. Il y a tout. Après, ils essayent de parler de pays. Ils mettent même des pannes des différents pays. Ils essayent de parler. Ben, des pays avec leur regard sur le WAF. Il y a tout et c'est trop beau. Hein? C'est trop beau. Hein? Franchement, ces livres. C'est une copine qui me l'a prêté. Hein? Elle travaille dans une bibliothèque et quand elle l'a vu, parce que moi j'apprends la couture parce que j'aimerais bien commencer à faire mes propres habits en pagne. Et elle a dit, je te prête ces livres, ça doit t'intéresser. Mais t'avais raison, ma chérie. T'avais vraiment raison, c'est trop beau. Il y a les wax, il y a des tissus africains. Ça donne vraiment envie. La tradition royale du wax. Si tu aimes les wax et tu veux en savoir plus, ces livres, c'est vraiment top, top. Sauf que c'est moi, je ne peux pas avoir la possibilité d'acheter tous ces wax, mais ça donne envie d'aller faire du shopping. Ça donne envie d'aller faire du shopping. Ils mettent même la femme africaine avec les wax et tout. Ils les mettent en valeur. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi, j'ai des modèles wax aussi qui peuvent vous intéresser. Qui peuvent vous intéresser. Oh! Là, c'est la reine africaine, African Queen. Elle est trop belle avec le wax, avec la touffe. C'est trop beau, son afro. Ah oui, et ça doit être de quel pays? Ça, c'est Côte d'Ivoire.
En fait, ils mettent des tissus et ils essaient de montrer où ce que les gens ils les portent beaucoup. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Au Ghana, il y a en Côte d'Ivoire, au Ghana et... Il y a aussi l'Addis Abeba. Moi, je savais pas, moi. Je sais pas, mais j'aime bien. Je savais pas que c'était... Regarde. Addis Abeba. Ah, c'est trop beau. Moi, j'aime bien. Et j'aime bien, vraiment. Ah, le truc là, le Maasai. Ah. Ouais, les genres de livres que je lis, des livres qui me font à la fois découvrir et qui me font envie aussi, hein. Qui illuminent ma journée. Je suis bien, ben j'essaie de partager avec vous, hein. Je partage avec vous et si vous êtes intéressé par les wax, vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore lu, vous pouvez le chercher, je ne sais pas, dans votre bibliothèque. Parce que moi, c'est une personne qui travaille à la bibliothèque. Regarde. C'est trop beau. Elle est trop belle en plus. Et voilà. C'est tous les wax. Ben, je vous présente mon livre, hein. Quand on lit ces livres, même si on n'aime pas lire, franchement. Après, je vous présente mon livre que je vous ai dit que j'étais en train de lire. C'est Les vieux qui ne voulaient pas fêter son anniversaire. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Les vieux qui ne voulaient pas fêter son anniversaire. C'est un livre de Jonasson. Un vieux qui fêtait ses 100 ans. Il a fugué les jours de ses 100 ans. Je ne vais pas vous lire les détails parce que si vous voulez les lire, c'est mieux de les découvrir. Et j'ai reçu un cadeau les jours de mon anniversaire. Ma belle maman m'a offert ces livres avec des patrons et des coupons. Je vais faire des petites robes pour ma fille, pour mes deux filles. Je vais faire des petites robes. Il y a les patrons. Oups. Pardon. Et les gars, il y a des patrons. Il y a des livres avec des modèles de robes pour les petites filles. Et voilà. Je vous ai présenté mes 4 livres. Hein. voilà, c'est comme ça que j'ai lu. Ça occupe mon temps. J'ai lu. Je découvre des choses. Et voilà. Je vous ai parlé de tout ce que j'ai lu en ce moment, en tout cas. Et si vous êtes intéressé par les livres « C'est vérité qui nous mentent », vous pouvez aller sur la page Facebook « C'est vérité qui nous mentent » ou vous tapez sur Facebook « Laurent Cassindi », je pense que vous allez le trouver. Et c'est vérité qui nous mentent. Et je pense qu'en ce moment, il doit être à Kinshasa. S'il est à Kin, vous pouvez le trouver facilement. Mais vous pouvez demander aussi, hein, si vous êtes sur la page « C'est vérité qui nous mentent », vous allez trouver vraiment comment le contacter. Vous pouvez aller le trouver là-bas. Je vous ai tout dit. Et je vous dis merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Si vous trouvez ces livres, que vous essayez de les feuilleter, si vous les avez déjà lus, allez, dis-moi, comme ça on partage ensemble. Sinon, je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt. Kwaheri. La prochaine fois, on va parler de quoi? La prochaine fois, je vais vous parler de mes conseils pour être des parents épanouis. Tout simplement. Quoi, Harry?